la prochaine c'est Kim. Avec Yvan Vélidan, belle victoire ici face à Sierre après deux lourdes défaites. C'était un gros match d'équipe, on est sorti fort. Contre Sierre, on était sur deux défaites dans le championnat. On se devait de gagner ce soir, on a sorti un gros match. Toute l'équipe a fait le job. On a joué dur, on a joué rapide, on a su les mettre au fond quand il fallait. Et c'était un gros match de toute l'équipe, comme tu dis, ouais. On va dire que c'était un match engagé, intensif, pas mal de méchants coups. Foiré. Pas mal de méchants coups et puis non, mais ça faisait partie du jeu, donc là, ouais, l'arbitre il avait un peu du mal à suivre, mais on peut pas dire que c'était mauvais. Est-ce que c'est ta meilleure saison en première ligue? Alors écoute, niveau points, c'est vrai que ça se passe bien, ça se passe super bien, ça fait plaisir, on est d'accord. Dire que c'est ma meilleure saison, je sais pas, mais en tout cas, voilà, le fait d'avoir des coéquipiers soudés et puis que tout le monde travaille ensemble, ça aide énormément. Et c'est vrai que ouais, c'est une belle saison en tout cas pour le moment. La plus belle, je sais pas, mais c'est une belle saison en tout cas. Que ouais, à force de travailler et puis de persévérer, ben, y a des matchs où c'est que ça paye, d'autres matchs qu'on passe à côté, puis quand ça paye, ça fait plaisir. Mais... Puis on sent que les défenseurs s'attendent pas à ce que vous mettiez une pression pareille en boxe. C'est le style de Simon. Simon nous a dit de jouer agressif. C'est vrai que les défenseurs, ils s'attendent pas forcément à recevoir autant de pression. Un petit peu peut-être, mais autant non. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça les gêne énormément. Ça nous permet de sortir les pucks et parfois bah, de partir en break quand on a un peu plus de chance. En tout cas, ce qui moi me frappe, c'est qu'il y a des gros noms blessés. Hein, ouais, effectivement. Jean, Leonelli, Cast, etc. Ah, il y a du monde sur la liste. Devant, il y a du monde, mais on continue à vraiment très très bien jouer défensivement. Et on va de l'avant, quoi. Je veux dire, chaque match, on resserre. Et puis, ben, comme tu dis, là, on voit que chaque match, ben, on va du côté positif. Et puis, ben, défensivement parlant, on joue de mieux en mieux. Et puis, ben, on se prépare bien pour les playoffs, quoi. Maintenant, il y a une bonne série à l'extérieur. Une grosse série à l'extérieur. En toute façon, je veux dire, le style de Genève. Ça change pas. Ça change pas. Ça change pas. Que ce soit à domicile, à l'extérieur, on reste les mêmes. Ça, c'est... Et le prochain match, on donne déjà rendez-vous à notre public. Ce sera le samedi 16 janvier. Ouais. Face à Franche-Montagne ici. Gros match. Gros match encore une fois. On sait que ça va être une belle guerre. Ils nous ont pris une fois, on les a pris une fois chez eux. On est à un partout. On sait qu'ils vont rien nous laisser. Pareil pour nous. Donc on sait à quoi s'attendre avec Franche-Montagne. Il faudra qu'on soit prêt à 100% et puis que. Qu'on finisse les checks et puis qu'on a les occasions, qu'on essaie de les mettre au fond parce qu'on n'aura pas des masses et puis bah va falloir être
va falloir être opportuniste devant ce but. Écoute, bah ouais, peut-être pour les jeunes c'est peut-être un peu plus facile, comme tu dis, ceux qui manquent d'expérience, peut-être que justement ça leur permet de, bah, d'être plus libérés. Personnellement, moi je vois pas trop de différence. Moi je veux dire, Master Round, pas Master Round, ça reste des matchs. On doit se préparer pour les playoffs, du coup on est à 2000. On est à 2000. En tout cas, j'essaie de donner le maximum à chaque fois, et c'est vrai qu'avec des Lionelli, je veux dire, tu peux mettre n'importe qui. Je veux dire, on est bien appuyé, on a une équipe soudée, et puis ça aide énormément. Ouais. Donc c'est vrai que cette année, j'ai réussi à mettre quelques points en plus que l'année passée, et puis bah, ça fait toujours plaisir, ça c'est sûr. Allez, bien joué, Marco.